6 erreurs qui peuvent grandement ralentir votre début d'activité en tant que coach ou thérapeute et comment les éviter, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona, j'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la création de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Quelles sont donc ces 6 erreurs à éviter absolument lorsqu'on se lance? C'est principalement des observations qui reviennent régulièrement lorsqu'on échange ou qu'on accompagne de nouveaux coachs ou praticiens, et ce sont vraiment des erreurs qui peuvent entraver votre développement, qui peuvent vous empêcher en fait de vous développer comme vous le souhaiteriez et vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Alors l'idée de cette vidéo n'est pas seulement de vous identifier ces erreurs, mais aussi déjà de vous apporter quelques pistes et quelques débuts de solutions pour que vous puissiez vous en écarter le plus facilement possible. La première erreur, qui est aussi la plus courante, ça va être simplement de ne pas assez vous préparer. Et qu'est-ce que j'entends par se préparer? J'entends avoir une vision d'ensemble de votre activité, d'avoir conscience des différents aspects qu'elle va recouvrir. Parce que le plus souvent, si on devient coach ou thérapeute, c'est avant tout pour vivre de sa passion, c'est parce qu'on a envie d'aider son prochain, qu'on a envie de transmettre, de partager son expérience, ses compétences, un peu de son expertise. Et on peut avoir un peu tendance à idéaliser le métier et à le réduire à cet aspect-là. Sauf qu'en réalité, lorsque vous devenez sophrologue, naturopathe ou coach, vous devenez aussi chef de votre propre entreprise et ça va avoir pas mal d'implications. Votre activité, elle va pas se réduire uniquement à votre pratique. Il va falloir intégrer beaucoup de nouvelles compétences, que ce soit pour gérer les aspects juridiques, administratifs, financiers, mais aussi un peu de comptabilité, de marketing. Et tout ça, ça prend pas mal de temps et ça va vous demander un certain investissement. Je vous conseille donc grandement de vous préparer en amont à ces nouvelles obligations, à ces nouvelles responsabilités, à savoir aussi si c'est vraiment un choix professionnel qui vous convient, si c'est une vie qui va répondre à vos attentes sur le long terme, et aussi avoir quelques économies de côté et à vous renseigner sur votre marché, quelle est l'offre existante, quels sont les tarifs pratiqués, quelle est la législation en vigueur, voilà. Beaucoup d'éléments qui donc doivent demander pas mal de temps, mais c'est vraiment important si vous ne voulez pas être dépassé trop rapidement, si vous voulez commencer à vous organiser, et si vous ne voulez pas déchanter parfois après quelques mois d'activité. Je vous conseille pour ça grandement de vous faire accompagner, que ce soit tout au long du chemin ou seulement sur quelques compétences précises qui pourraient vous manquer. Je peux vous conseiller par exemple la BGE, qui est un organisme de formation qui propose d'accompagner gratuitement les créateurs d'entreprises. Je l'ai moi-même faite et ça donne déjà une bonne vision du métier de chef d'entreprise et de tout ce que ça va signifier. La deuxième erreur, qui est aussi très courante, c'est d'être trop passif, parce que malheureusement, il ne suffit pas de vous lancer, d'avoir votre diplôme ou votre certification pour vous créer une clientèle facilement et rapidement. La plupart du temps, les clients, ils vont pas venir à vous tout seuls. Ils ont leur vie, ils ont leur habitude, ils ne connaissent peut-être même pas votre expertise et les bénéfices que ça peut leur apporter. Donc si vous ne leur dites pas que vous existez, ils n'ont aucune raison de le savoir. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille aussi de ne pas vous appuyer uniquement sur le bouche à oreille, parce que le bouche à oreille, ça marche, mais malheureusement ça ne suffit pas. C'est un canal d'acquisition qui est beaucoup trop aléatoire pour vous garantir une clientèle régulière et une clientèle aussi qualifiée. Donc tout ça pour dire qu'on vous conseille grandement de réfléchir en amont à d'autres sources d'acquisition de clientèle. Alors ça va dépendre de vos ressources, des spécificités de votre activité, de vos objectifs aussi, mais il y a énormément d'actions et d'options possibles, que ce soit nouer des partenariats, avoir votre site internet toujours bien sûr, que ce soit aussi participer ou créer des événements, avoir d'autres supports de communication, voilà, avoir un plan à ce niveau-là, et faire vivre toujours activement votre activité, vous montrer, montrer ce que vous faites, etc. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Ce qui m'amène à la troisième erreur, qui est de ne pas avoir de stratégie marketing, de ne pas faire de marketing, de fuir même parfois le marketing, parce que c'est souvent un mot qui vous fait grincer des dents. Beaucoup de coachs ou de thérapeutes, lorsqu'ils se lancent, ne prêtent pas du tout attention au marketing, soit par manque de temps, soit par manque de compétences, mais aussi et souvent parce que c'est mal vu, parce qu'ils en ont une perception assez fausse, qui est de se dire que le marketing est forcément manipulateur, est forcément mensonger, que il est là pour tromper le client, ce qui n'est absolument pas vrai. Alors vous avez certaines personnes qui vont l'utiliser comme ça, c'est pas du tout ce qu'on vous conseille. Le marketing est beaucoup plus vaste et pour vous, ça va vraiment être un outil
indispensable qui va beaucoup vous aider parce que ça va vous permettre de vous connecter à votre clientèle cible, ça va vous permettre d'expliquer clairement ce que vous faites, d'être compris, ça va aussi vous permettre de vous différencier, de vous créer une identité et de montrer à votre cible comment vous pouvez apporter une solution à son problème et comment vous pouvez l'aider à mieux vivre. Et le risque quand on n'a pas de stratégie marketing bien définie, c'est simplement en fait de ne pas transmettre le bon message, d'avoir un décalage entre ce que vous voulez transmettre et ce que la personne en face va percevoir. C'est aussi parfois simplement de ne pas s'adresser aux bonnes personnes, mais c'est aussi de vous éparpiller, de mener beaucoup d'actions qui n'aboutissent pas, c'est de ne pas être visible, de ne pas atteindre vos objectifs et à terme, c'est vraiment d'être démotivé, de perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour pas grand chose. Et c'est pourquoi vraiment avoir une stratégie marketing vous permettra d'avoir une ligne directrice, de savoir où vous allez, de pouvoir tester ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, d'ajuster, de tenir la distance aussi, d'être persévérant, et c'est vraiment ce qui va vous aider à construire les bases solides de votre activité. Et c'est aussi pour ça qu'on prend vraiment le temps de vous faire aimer le marketing et de trouver celui qui vous convient le mieux, parce que vous le vouliez ou non, souvent au début de votre activité, ça va représenter une grande partie de votre temps. Il va vous falloir trouver des clients, vous n'allez pas avoir une clientèle complète dès le début. Et donc si vous n'aimez pas ça, ça va être très désagréable. Donc apprendre à aimer le marketing va vraiment vous aider à vous développer. La quatrième erreur, ça va être de mal définir vos prix et donc à terme de ne pas être rentable parce que vous avez des prix trop bas. Et en fait, quand on se lance, c'est pas évident de savoir quel est le juste prix, c'est pas non plus évident de mettre un tarif sur la valeur que vous apportez, et donc il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes qui ont tendance un peu à se sous-évaluer et à se sous-vendre, ou alors qui vont calquer leur prix sur le prix d'un concurrent ou d'un autre praticien local. Le risque en fait avec cette méthode-là, c'est que parfois ça marche, mais le plus souvent, ce praticien sur lequel vous prenez l'exemple, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes frais et n'a peut-être pas les mêmes objectifs que vous. Donc ça, ce qui peut marcher pour lui ne marchera pas forcément pour vous. Et c'est pourquoi on vous recommande grandement de vous intéresser à vos chiffres avant toute chose. C'est vraiment sur vos chiffres que vous devez décider vos tarifs, savoir de combien vous avez besoin d'argent pour vivre, savoir voilà, donc qu'est-ce que ça va représenter en termes de clientèle, de prendre conscience aussi de vos frais, de vos cotisations, de vos taux d'imposition selon votre statut, de prendre aussi en compte le temps administratif, le temps que vous allez utiliser pour le développement de votre activité. C'est un temps que vous n'allez pas pouvoir facturer à vos clients. Voilà. On vous conseille aussi de ne pas vous sous-évaluer sous prétexte que vous commencez, c'est-à-dire d'avoir des prix plus bas qu'un concurrent qui a plus d'expérience, parce qu'on peut parfois un peu douter de sa légitimité, on peut manquer un peu de confiance, sauf que vous avez certainement les mêmes besoins que cette personne-là et que vous avez aussi votre singularité, vos spécificités, autres que votre expérience, qui valent ce prix-là. Et ne pensez pas non plus, enfin, que mettre un prix plus bas que la concurrence vous attirera plus de clients, parce que à long terme, bah, vous allez attirer d'abord des clients qui ne sont pas vraiment, vraiment intéressés, qui ne sont pas vos clients idéaux, je dirais, et vous allez aussi perdre en crédibilité auprès de certains, vous n'inspirerez pas confiance et vous risquez de voir vos clients se faire la malle dès que vous allez vouloir augmenter vos tarifs pour simplement mieux vivre de votre activité, parce que ce seront des clients qui vous auront choisi sur l'argument prix qui n'est pas un bon argument et qui sur le long terme ne fonctionne pas. Donc vraiment voilà, prenez le temps de définir correctement vos tarifs, de bien poser vos objectifs, de bien savoir aussi comment vous voulez développer votre activité sur le long terme, parce que ça va peut-être vous demander plus ou moins de ressources. Voilà, donc prenez le temps à ce niveau-là et je peux vous garantir que ça vous facilitera beaucoup, beaucoup la tâche par la suite. La cinquième erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être de ne pas avoir défini de limites. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends d'abord les limites de votre accompagnement en termes d'expertise, de compétences. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? À quel moment vous auriez tout intérêt à refuser un client parce que vous n'êtes pas la personne la plus compétente pour répondre à sa problématique? Mais j'entends aussi les limites en termes pratiques, donc les conditions d'annulation, qu'est-ce que vous faites en cas de retard, combien de temps vous travaillez par semaine, quels sont vos horaires, mais aussi quel mode de paiement vous acceptez. Et il est vraiment important de clarifier tout ça dès le début, ça va vous vider la tête, ça va vous permettre aussi d'éviter quelques angoisses secondaires et de vous concentrer sur votre pratique. Ça va aussi vous assurer que tout soit très clair et qu'il y ait une communication parfaite entre vous et votre client, que les responsabilités de chacun soient bien connues et bien définies pour éviter des malentendus, des situations qui peuvent être désagréables et gênantes pour les deux parties et qui peuvent ensuite entraver votre relation. Voilà, donc un point important qui n'est pas très compliqué, mais définissez bien vos limites dès le début de votre activité et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile.
Enfin, pour terminer, la sixième erreur, ça va être de tout faire tout seul. Parce que bien sûr, quand on est indépendant, on travaille tout seul. Donc on peut avoir tendance à vouloir tout faire tout seul. Mais vraiment, sur le long terme, je vous conseille grandement de vous entourer et de bien vous entourer. C'est vraiment important. C'est pas évident de travailler tout seul. On a tous des moments où on est moins motivé, où on est plus fatigué, où on perd un peu de motivation. On peut aussi se lasser de faire constamment la même chose. On peut manquer de créativité, on peut manquer de nouvelles idées, voilà. Et être entouré à ce niveau-là, ça va vraiment, vraiment vous aider aussi, encore une fois, à tenir le cap et à vous épanouir le mieux possible dans ce que vous faites. Alors, il y a plusieurs façons pour ça. Je vous conseille d'abord d'avoir des mentors, de trouver des personnes qui vous inspirent, que ce soit dans votre domaine ou dans un domaine d'activité complètement autre, mais des gens, voilà, qui arrivent à vous motiver, qui vous mettent de bonne humeur et voilà, et qui vous aident au quotidien à rester positif et à faire ce que vous avez envie de faire. Rapprochez-vous aussi d'autres professionnels de votre domaine, vos consoeurs, vos confrères, des activités complémentaires pour vous conseiller, pour vous épauler, pourquoi pas pour travailler ensemble. Voilà, n'ayez pas cette impression constante d'être en concurrence, c'est pas un état d'esprit qui va vous amener très très loin et n'oubliez pas que vous avez chacun votre singularité, une offre normalement qui est différenciée, votre personnalité, vous ne répondez pas exactement au même problème et vous avez vraiment tout intérêt à vous serrer les coudes. Voilà pour ça. Et enfin, juste pour terminer, entourez-vous d'experts dans d'autres domaines que le vôtre parce que même si on peut avoir tendance à vouloir tout faire tout seul en pensant ainsi économiser de l'argent ou garder le contrôle, la réalité c'est que on peut pas être bon partout et qu'il y a des gens dont c'est le métier qui feront certaines choses beaucoup plus facilement, rapidement et aussi certainement mieux que vous. Voilà. Donc quand vous le pouvez, vous avez vraiment tout intérêt à déléguer et à vous faire accompagner, à vous entourer en fait de personnes sur qui vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de votre parcours. Je pense notamment à la comptabilité, mais aussi à votre site internet, pourquoi pas à votre communication sur certains aspects. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment une aide importante et vraiment vous décharger d'un poids et vous aider à vous concentrer sur le cœur de votre activité, votre pratique et ce que vous voulez en faire que de faire appel à des prestataires extérieurs et aussi pour avoir un regard extérieur. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura su vous être utile. Je vous invite, si c'est le cas, à y laisser un j'aime. Je vous invite aussi à la commenter et à la partager au plus grand nombre. C'est notre première vidéo sur YouTube, donc on débute, mais on a vraiment vocation à en faire d'autres, donc je vous invite aussi à vous abonner et on a vraiment envie d'aider le plus de coachs et de thérapeutes possible. On a envie de fournir aussi le plus de conseils possible. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On est présente notamment sur Instagram, mais aussi sur Facebook et LinkedIn. On a aussi un site internet sur lequel on vous présente tout ce qu'on peut vous faire, mais sur lequel aussi on publie régulièrement des articles de blog. Je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous dis à très vite.